Hop, c'est reparti. Alors, je vais me promener. Bah, bonne promenade, Auréen. Hein. Promène-toi bien, hein, en cette fin de confinement. Fais gaffe à pas choper le corona en croisant des gens. Alors, on doit faire quoi, là? Ton ban, je me rappelle même plus que t'es fait ban, Turpie. C'était à cause de Caillou ou pas du tout? Je sais plus, c'était à cause de quoi. Tu peux me rafraîchir la mémoire? Meurs. Même plus à cause de quoi, ok. Ok, on va essayer d'être discret. Alors déjà, est-ce que je one shot les gens? On va s'appuyer sur la touche pour... Ah, ok. Bam! J'adore ce truc. En vrai, c'est trop marrant. Ah, je trouve ça tarpin stylé, hein. Tarpin stylé, je trouve ça, moi, hein. Il explique rien, ouais, c'est le bot qui t'a détecté un truc qu'il a pas aimé et puis te dit allez hop je te banne sans raison. Ça c'est pas trop en vrai, hein. Pas très sympathique, hein. Oh, un nouvel arc. Alors il est peut-être temps de s'équiper un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, on est un peu à poil depuis tout ce temps. Arc niveau 1, alors que j'ai 20 000 arcs. On va mettre dégâts assassins, je pense que c'est le meilleur. Ensuite, l'épée, bah, je garde celle-là, niveau 4, parce que j'ai rien de mieux. Peut-être les dagues, à la rigueur, en deuxième. Mais j'ai pas débloqué encore le deuxième emplacement, je sais pas quel niveau c'est. Ensuite, la petite sacoche, c'est les quêtes, le jet de quête, ok, la petite truc. Dégâts guerriers. Je vais faire celui-là, au moins je suis pas à poil. Niveau skin. Ok. Ah mais en vrai j'ai tellement hâte de jouer à Valhalla. Je vous jure, hein, Valhalla là on va le torcher, hein. GG à nous pour le niveau 6. C'est pas arnaque ou continue commercial trompeur. Ah ouais. Donc t'es un arnaqueur, Turpinette, tu savais pas? Comment ça, t'es un arnaqueur? Est-ce qu'on peut augmenter ça ou pas? Regarde niveau 20. Ou est-ce que ça augmente tout seul, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, niveau 15 pour la deuxième arme. Ah ouais. Niveau 16 pour l'assassinat niveau 2. Coup de pied, ça peut être marrant. Mais niveau 1, ça pousse vraiment de 0 case. Ça, le taureau, c'est de la merde. Ça, c'est quoi? Ça, ça a l'air marrant aussi. C'est un passif ou c'est un actif, ça? Par contre, c'est un actif. Perce bouclier, ça peut être marrant aussi. Mais bon, tu fais R2 et voilà, c'est... Nettoyage et affûtage. Offre le bénéfice d'augmentation des dégâts de guerrier de 20%. Ah ouais, ça c'est fort. Et ça c'est pour se soigner. Je pense qu'on va en avoir beaucoup besoin aussi. Donc je vais peut-être prendre ça. Le soin c'est très très fort. On va prendre le soin. Ouais, on va prendre le soin en priorité parce que c'est très très fort et je vais en avoir besoin. A voir, ouais, voilà, voilà là. Bah moi c'est viking, j'adore l'univers viking, j'adore, donc j'espère vraiment que je vais pas être déçu et du coup j'ai hâte, voilà. Donc on a tout fait là, dans l'île. On a tout fait, comment, je dois faire quoi du coup? Enquête.
Ah, il me reste quoi? Il me reste... Ils ont la cruauté niveau 25. Ok. Île de Kefalonia. Parler à Davos. Ok. On va parler à Davos. Il te manque la maison au milieu. Ah, bien vu, Fu, on va voir. Et oui, moi je prends Ghost of Tsushima, mais Day 1, Day 2, Day 3. Day moins 2. La maison au milieu, tu m'as dit. Ça? C'est quelle maison, celle-là? Ah ouais, ok. Ah ouais, tu parles de ça. Ah ouais, j'ai oublié ça, qu'il faut faire ça aussi. Ah oui, bon, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Donc Davos, c'est le... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit que son frère est mort à ce con là. Ah, mais ton frère aussi, il est con comme une table. C'est quoi, on va lui dire que son frère est con? Merci Fu, j'avais pas capté. Moi je pensais juste que c'était des maisons, juste un logo maison, tu vois. Et j'avais pas vu qu'il y avait des missions. J'ai oublié qu'il y avait ce genre de missions. Ok, bah merci. Ça, je ferai attention. Bonjour, ton frère est mort. Désolé d'avoir à te dire ça, mais ton frère a été tué. Tué? Disparais avant que j'engage ces bandits pour qu'ils te tranchent la gorge. J'aimerais bien te voir essayer. Est-ce qu'on peut le tuer? Ah, échec! Ah, c'est relou! Ça donne envie de charger. Mais par contre, tu me menaces plus maintenant, fils de pute! Tu crois quoi là? T'as couché qui maintenant? Allô? Ça va les gars? Ça comme vous voulez? Alors. Est-ce que lui, par hasard, est-ce qu'il me redonne la quête ou pas? Voilà, je l'ai raté, mais il bougeait pas. Est-ce que si tu reviens, il te redonne la quête? Comme ça, je charge au pire. Alors, on va aller vers là. D'ailleurs, j'ai oublié d'actualiser. Désolé, Turpinette, tu m'as pas dit, mais j'ai pas actualisé le sub en haut. Ok, ok. Non, mais je parle pas des gros choix, mais genre ça, c'était une quête secondaire, tu vois. Ton frère est mort parce qu'il s'est suicidé, tu vois ce que je veux dire? Pas ma faute. Après moi, j'ai déjà fini l'histoire principale avec tous les membres de la famille. Donc là, pas trop grave si on foire, j'avoue. Sur PC, j'ai réussi à avoir toute la famille sans regarder de Solus. Donc j'étais assez content. Donc on va voir là comment ça se passe. Oh, c'est relou. Mais ouais, j'espère que cette quête n'est pas importante. Genre le frère d'un riche, on s'en bat les couilles, tu vois, je pense. Ça va pas être si important que ça. De toute façon, il est mort, il peut pas capter. Alors, je suis où là? C'est où? Attends, c'est où le. Attends. Ah, je suis pas. J'y suis pas en fait. Pas genre brûler les trucs. Non, c'est pas ça. Et donc c'est un parchemin. Berk. Ah. Vous voulez boire du vin, les amis? Bah bonne soif, hein. Bon appétit, bonne gorgée à vous, hein. Ouais. Moi, je peux t'aider un peu si tu veux. Voilà, regarde ça. Voilà. Pour avoir toute la famille, faut juste pas être le plus gros connard. Eh, j'avoue. Mais après, t'as tué le loup, toi. C'est pas bien. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi tu l'as tué? Tu le mets pas, c'est ça? Ah merde, il est où le truc? Ah, il est en haut.
Ok, juste aveugle. Voilà, hop. Ah oui, c'est vrai. My bad. C'est pas toi. Je confonds avec quelqu'un d'autre. My bad. Je confonds à chaque fois avec quelqu'un d'autre. Oh les chèvres. Là tu lances une grenade là, bam. Et tu fais des steaks pour un mois. C'est fluide. Oh, c'est... Bon, parce que moi sur mon retour je vois que c'est pas hyper fluide, mais je pense que pour vous c'est fluide. Ça faisait pareil quand j'étais sur PC. Quand j'ai vu le clarodif après c'était fluide pour vous. Mais moi je vois que c'est bizarre. Ah ouais? Ok. Ok, parfait. Maintenant, tu sais, moi j'ai. T'es vu, à force de que rien ne marche, t'as une paranoïa. Genre là tu dis tout marche bien, c'est bien, tu vois. Mais au fond de toi, tu sais que ça, c'est pas normal que ça marche bien. Il y a une sorte de paranoïa et t'es obligé de vérifier, de checker tout le temps. Bon, maison faite. Est-ce que ça faut le faire aussi les villes? Non, Samy, c'est bon. Osos. C'est bon là, y a plus rien. Donc là, trouver l'œil de mes couilles. Ok, on a fini toute l'île, je suis content. On va pouvoir faire le cyclope qui est, je sais pas où. D'accord. Bah il est où le cyclope? C'est là. Village de Kozos. Non, ça c'est le village où il y a la peste. Samy, non, c'est pas ça. Là, je dois aller où? Je comprends pas en fait. De mémoire, elle était près de la mer, le cyclope. Pas ici le cyclope? Attends, je vais relire parce que je comprends pas. Alors, trouver l'œil dans l'antre du cyclope. Le cyclope vit à Kefalonia. Ah oui, ça faut trouver avec les énigmes. Le cyclope vit à Kefalonia. Ok, sa maison est à l'ouest de la vallée maudite de Pali. La maison est à l'ouest de la vallée maudite de Pali. Merde. Donc attendez, la vallée maudite de Pali, c'est où? Là, la vallée maudite de Pali. Donc c'est là. Ok. Ok. Bon, ça va. C'est marrant en vrai à chercher quand même. Ah, image ignorée détectée 15% dans les deux dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des problèmes ou pas? Ah, il y a 20 minutes, il y a eu des drops. 15%, 17. Ah, il y a des drops là, hein. 20, 18 minutes. Toutes les 2 minutes, il y a des drops. Toutes les 2 minutes, il y a des drops. C'est normal? Si vous avez. C'est bien pour vous? J'ai des messages comme quoi il y a des drops toutes les 2 minutes. Mais vous, ça fait un peu chier. Ok. J'espère que ça va pas le refaire. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bonjour l'œil. Je te vois.
Carrément. Oh putain! Si je ne fais pas de bruit, les buissons font l'affaire. En fait, trouver les gardes, c'est relou. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu du pif, hein. Tu tournes un peu en rond et dès qu'il y en a un, t'es content quoi. Est-ce qu'il y en a un à côté de lui? Malak, cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste en. WWE. Alors je dois pas me faire voir. Donc est-ce que j'irai pas juste le voler tout court en fait et je me casse. J'ai l'impression qu'il faut rentrer dans cette maison là. On peut pas aller rentrer par derrière. Merde, on rentre par où? Pas bien caché son œil lui hein. Ok, on se casse. Donc moi je vois qu'il y a des drops. C'est relou. Bon, vous m'avez rien dit donc ça devrait être bon. Mais bon. Alors. J'ai l'œil et du coup on va où? À Marcos. Ok. Il est où Marcos? Il est là. Il est là. Puis on va aller même. On va même y aller en cheval en fait. J'ai du mal avec le cheval. Pourquoi je peux l'appeler? Ah c'est bas. Le cheval j'appuie sur haut comme un connard. Mais c'est bas. Oh, c'est flash ou quoi? Ouais, toutes les deux minutes, il y a des pertes. Je sais pas pourquoi. Hop.
Attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Le cyclope va nous tuer, Marcos. Mets-toi bien ça en tête. Et ça n'a rien d'amusant. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Est-ce que le micro grésille encore? Ou est-ce que c'est le LGX? Apparemment le micro grésille d'après le chat. C'est bon, j'ai redémarré voice mode du coup, donc c'est bon. Ok, on espère que ça revienne pas, c'est relou. Allez. Alors, je dois aller où encore là? Je dois faire la quête. Alors. Trouver et tuer les nouveaux venus, les nouveaux arrivants à Kefalonia sont probablement des hommes du Cyclope. De marquer à l'est de la côte de Colliade. Maison abandonnée, ils ont dit. Ok. En vrai, c'est bizarre que ce micro il grésille tout seul, sans raison. Genre, il n'y a aucune raison en fait. Il n'a jamais grésillé de sa vie et il grésille maintenant. C'est ouf quand même, tous les problèmes que j'ai en ce moment, c'est abusé. La maison abandonnée et les gens. Ouais. Je dois rester caché. Eh ben c'est chiant. Comme par hasard quand... J'avoue. J'avoue hein. Non. Non. Ah putain, je crois qu'il y avait un toit, il n'y avait pas de toit. Bad.
Je vais tout faire discrètement là. Deg. Bon bah tant pis hein. C'est qui, c'est Cyclope ça ou quoi? Il est... C'est quoi sa vie? Il a le mec. Il est immortel ou quoi? Pas... Regardez, il prend pas de points de dégâts. What the fuck? J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment enlever cette tâche. Si tu approches, le sang va encore couler. Peut-être, mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Mystios. Un vrai massacre, du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons? Mes employés? Enfin, anciens employés, maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher... est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu n'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. D'accord. Je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mystios, n'échoue pas. Ok. On va arrêter le rack ici.